Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Break. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. On se retrouve sur DB Jeunes suite à la dernière mise à jour qui nous apporte un petit peu de renouveau. Ce qu'on va avoir sur cette dernière mise à jour, c'est déjà trois nouveaux sparkings, donc plutôt sympa. Alors c'est pas forcément les sparkings les plus, on va dire, charismatiques et emblématiques de la saga Dragon Ball, et encore moins de la saga Dragon Ball Super. Bon, néanmoins, ils ont le mérite d'être là. Est-ce qu'ils vont être joués? Je suis pas certain. Bon, wait and see, on verra ça un petit peu plus tard. Donc ce que nous avons, c'est en Super Saiyan 2 Caulifla. On va voir Kale en mode Berserker. Donc c'est la meuf à Broly. Elle a des biceps qui sont et des pectoraux qui sont absolument énormes. Et nous avons Cabe en couleur verte. Bon. Après, sur les portails, on a toujours les mêmes. On va avoir du Vegeta, du Perfect Cell, et des nouveaux extrêmes. C'est ça, il n'y en a qu'un seul extrême. Ouais. Il n'y a que Caulifla en extrême. Donc voilà, c'est des nouveaux persos qui ont été rajoutés. Je pense qu'ils sont bien pour la collecte. Je pense qu'il ne faut peut-être pas forcément s'acharner dessus sur les invocations. En connexion quotidienne, vous avez un ticket. D'accord, donc vous êtes sûr d'avoir en tout cas un sparking garanti. Bon, si vous êtes comme moi, vous allez avoir le plus pourri de tous les sparkings, mais vous avez quand même une chance de l'avoir. Bon, après, il y a des packs de promotion disponibles dans la boutique, donc ça je vous passe, étant donné que je joue 100% en free-to-play, donc ce qui me permet en fait, ce qui m'oblige à sélectionner sur quel portail je vais faire mes tirages ou pas. Entre autres, pour être honnête, c'est pas forcément le portail qui m'intéresse le plus. Ouais, c'est voilà. Cabe, je m'en cogne. Et après, j'ai déjà Vegeta. Il me semble de souvenir, oui, j'ai déjà Vegeta. J'ai pas Perfect Cell, donc à la rigueur, ce serait le seul unique perso qui m'intéresse, mais du coup, qui n'est pas du tout suite à cette dernière mise à jour. Bon. Après, ce qu'on peut voir, c'est au niveau des artworks. Bon, ça, c'est toujours une grande réussite. Attends, le téléchargement. Voilà, les artworks, donc pas de Caulifla. Caulifla, il n'est pas spécialement très beau. Mais Kale, franchement, je trouve magnifique. Je trouve que le perso est plutôt bien fait. Même si dans la série, ils sont à peu près inutiles. Et qui nous ont bouffé 15 épisodes. Mais bon, ils ont le mérite d'être là, comme je disais tout à l'heure. Donc on va faire quelques tirages. La connexion, bah, du coup, c'est simple. Hein. Au bout de 7, vous avez un sparking garanti. Vous avez le principe de la multi, que je vous conseille pas forcément de faire. Dépensez pas forcément vos cristaux sur ce portail. Et vous avez la discount qu'on va faire tout de suite. Alors, en revanche, moi, ce que je vais faire... Avant de commencer, c'est que je retourne sur ma série 8 où j'ai un tirage unique avec un sparking garanti. Donc pour ceux qui me suivent, ils savent que la dernière fois où j'ai tiré sur ce putain de portail, il y avait un perso que je voulais pas, c'était Pan. Bon, forcément, je me suis tapé Pan. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est parti, on va recommencer. Bon, voilà, un petit Sangohan, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir, et du coup, j'aurais pas dépensé un seul cristal pour l'avoir. Que des tickets qui sont donnés. Donc bon, là, pas de surprise. Une petite animation avec mon ami Vegeta. Qui va mettre sa race à Freezer. Donc ça, c'est toujours bien fait. Il devrait changer un petit peu plus souvent. Peut-être pas forcément toutes les mises à jour, mais bon. Putain de merde! Putain, je me tape... Ah, c'est pas Pan, j'ai raconté une connerie tout à l'heure. C'était May. Hein. Putain, je me tape encore cette... Je suis fou. Je suis dingue. J'hallucine. Total. Oui, excusez-moi, j'ai confondu avec Pan. Parce que c'est pareil dans une autre vidéo où je me suis tapé Pan deux fois d'affilée. Mais bon, putain, je suis dégoûté, hein. Je suis dégoûté, putain. Le taux de probabilité pour que je retombe deux fois sur le même parking, sur ce putain de même portail.
On va descendre, parce que du coup, il commence à avoir un petit peu le bordel au niveau des portails. Donc, j'ai toujours un pack maître 1. Tiens, bon, on va faire une petite multi hein, sur le pack maître 1. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc là, c'est vraiment pour le coup, pour gagner des étoiles. On va passer l'anime. J'attends de voir s'il y a changement. Voilà, passer. Allez, c'est parti. Sangwen petit, très bien. Zargon. Sargon. Freezer. Cell. Encore Freezer en troisième forme, qui ressemble à Alien. Raditz. Shaozu. Et Shaozu, putain. C'est 19. Ah, c'est 19, pas trop mal. Est-ce qu'il va prendre une étoile, c'est 19? Ah non, putain. Merde, j'aurais dû. Car j'essaie de faire une petite team cyborg, donc ça m'aura bien, je pense. Arbon qui commence à prendre pas mal, hein, quand même, malgré tout. On continue. Qu'est-ce qu'on a? Série 8. Ah, putain, me file pas. File pas le mail encore. Je pète un câble. Il y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'ont pas. Moi, franchement, sur les tirages, ça fait un sacré moment. J'ai pas eu de bol. Hein. On va passer parce que je vais désespérer. Tenshin Han extrême, évidemment. Sur une série 8, je me tape Tenshin Han. Tout va bien. Faut pas désespérer. Alors, on va continuer. Pac-Mètre 2. J'ai pas fait ma quotidienne. Un discount. Avec les discounts, au final, bon, surtout quand il y a beaucoup de portails, on arrive plutôt bien à s'en sortir et on arrive à garder le niveau. Ces cristaux. Bon, la seule chose, hein, c'est que ça met une plombe à obtenir ces bons persos. Putain, Raditz encore, sans déconner. Putain, y a des héros, des extrêmes que j'ai pas. Putain, pourquoi tu me files toujours les mêmes? J'ai pas ces tickets. Legends Rising. Ah putain. Je m'en souviens même plus. Oh, il me manque couleur, il me semble. Si vous me filez les couleurs, ça m'arrangerait. Enfin, au moins, avoir un bon sparking dans les vidéos, ça me ferait plaisir. Putain de merde. On va passer. Ok. Très bien. Bon, et on se finit. Ben on se finit pour le coup sur la série 9, sur le dernier portail. Allez. Fais-moi mentir. Le taux d'invocation est de 5%, comme d'habitude. Oh, on change pas une équipe qui gagne. Putain. Ce sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour une prochaine vidéo. Et c'est 19. Putain, j'en parlais tout à l'heure. T'étais pas obligé de me filer dans ce portail-là. Bon, je garde le sourire. Je garde le sourire. Jouons en free-to-play, encore une fois, j'ai réussi à accumuler beaucoup de persos, j'ai beaucoup de sphères, j'ai de quoi monter beaucoup de personnages. Enfin, c'est juste un jeu de patience, là, pour le coup, sans pouvoir dépenser. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à télécharger le jeu si vous ne l'avez pas téléchargé, c'est un très très bon jeu, très sympa pour les fans de Dragon Ball. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait aussi toujours plaisir, et nous nous retrouvons très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao, 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 ciao.